Anne Hidalgo ira, je cite, évidemment, c'est elle qui le dit, jusqu'au bout de la campagne présidentielle. C'est ce qu'elle dit, mais il est vrai qu'on est en droit de se poser la question quand on voit ces sondages qui restent encalminés entre 2 et 5% d'intention de vote. Ce matin, elle a présenté son programme et sa vision, écoutez, de l'état de la France. La France est frappée par 3 crises. L'urgence sociale, évidemment, la première. L'urgence écologique, et j'y viendrai, l'urgence démocratique. Ces 3 crises s'alimentent les unes les autres. C'est pour cela que j'ai résumé le message de ma campagne, de ce projet, par cette formule. Je veux réunir la France dans la justice. Je veux réunir la France dans la justice, c'est le slogan d'Anne Hidalgo et c'est un programme et un slogan de gauche. Louis Dragnel, au-delà du programme, c'est un sacré foutoir à gauche. Bah oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dévoilant son programme ce matin, Anne Hidalgo, qui est située, il faut le rappeler quand même, entre 3 et 6% d'intention de vote maximum au premier tour, eh bien, le maire de Paris ferme définitivement la porte à la primaire populaire. Ensuite, il faut analyser sa candidature au regard de l'éclatement de la gauche sur la ligne de départ du premier tour de la présidentielle. Il y aura Fabien Roussel, le communiste, l'écologiste Yannick Jadot, ou encore l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui assure qu'en aucun cas ils ne se retireront au profit d'un autre. Enfin, il y a également Christiane Taubira, l'ancien garde des Sceaux de François Hollande, a très envie d'être désigné par la primaire populaire, qui dévoilera ce samedi la liste des candidats qui seront soumis au vote des militants de gauche du 27 au 30 janvier, avec 2 particularités pour cette primaire populaire. Ce sont les organisateurs qui proposent, sans forcément avoir leur accord, la liste des candidats. Et ensuite, c'est du jamais vu. L'organisation de la primaire populaire a déjà déterminé un programme qui sera ensuite imposé aux vainqueurs. Pour conclure, à seulement 90 jours du premier tour, la possibilité d'une victoire de la gauche, on vient de le voir, est quasiment impossible. Merci beaucoup, Louis.